Bonjour famille. En ce matin, je suis triste. Je suis très triste parce que je suis souvent déconnecté d'Internet. C'est ce que je voudrais quand même signifier. Je suis quand même souvent déconnecté d'Internet. Mais je surfais comme ça sur la toile et puis j'ai encore vu un cas malheureux, mais apparemment qui passe au silence, ce qui n'est pas normal. Voilà. Moi, je ne vais pas dans cette vidéo-là pour accuser qui que ce soit. Mais je viens dans cette vidéo pour interpeller le gouvernement en place. Voilà. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, avec ses problèmes, c'est tout ça aussi. Voilà. Ce sont les assassinats d'enfants, les inondations par-ci, l'insécurité sociale. Voilà. Voilà. Le truc, c'est quoi? Je viens de voir sur la toile qu'un enfant de 3 ans fut assassiné. Attends, fut retrouvé mort. Dans le domicile du voisin de la victime. Bon, je m'interpelle. Je ne sais pas si c'est ce monsieur-là qui a commis cet acte ignoble. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à sa place pour lui porter préjudice. Mais j'aimerais bien que l'État de Côte d'Ivoire se penche sur ce cas-là. Parce qu'une vie humaine est égale à une vie humaine. Pour dire que quoi, la vie humaine n'a pas de prix. On ne peut pas tuer un innocent comme ça. Et puis on n'en parle pas. Et on reste bouche bée. Monsieur le procureur, moi ma mère vous connaît. Et elle me dit que votre bon nom. Parce que vous connaissez votre travail. Toute la toile vous regarde. Toute la toile regarde le gouvernement. Ce petit-là ne peut pas mourir comme ça. Le petit Booba, on a chargé, et j'étais fier de ça. On doit charger ce cas-là aussi, pour que justice soit faite. Parce que jusque-là, l'assassin du petit Booba, on n'en parle plus. On ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas où il est. Mais je ne vais pas me prononcer sur ce cas-là. Juste vous interpeller pour comprendre le mal, la douleur de la famille de ce petit garçon de 3 ans. Que justice soit faite. Je vous demande pardon. Que justice soit faite. Parce que c'est pas normal. Tu es un petit garçon comme ça. Pourquoi? De l'argent. Moi actuellement, si je dois tuer quelqu'un, c'est pour devenir immortel. À la limite, je vais dire, c'est pour prendre la place de Dieu. Comme c'est chose impossible, je préfère faire le peu que je sais faire pour gagner mon pain. Pour gagner l'argent que tous cherchent là. Arrêtons ça. C'est pas digne de nous. C'est pas digne ce que je viens de voir là. Ce petit Axel là. On doit déterminer et trouver son assassin. Les amis, partagez cette vidéo là pour que ça arrive loin. Partagez-la pour que ça arrive loin, s'il vous plaît. Parce que j'ai essayé de me promener un peu sur la toile, surtout sur YouTube. Personne n'en parle. Je m'engage à en parler. Donc aidez-moi à transmettre ce message-là à qui de droit. État de Côte d'Ivoire, moi j'ai confiance en vous. Donc dénichez-nous rapidement, rapidement, le tueur de cet enfant. C'était ma vidéo du jour. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.